On va dessiner un poisson d'avril. Salut les artistes, c'est Gaëlle de 200pourenfants.com. Ça vous dit de faire plein de blagues à vos parents ou bien aux maîtresses? Ça vous dit? On va dessiner un poisson d'avril. Ouais, on va pouvoir les coller derrière leur dos. Ce qu'il te faut pour dessiner un poisson d'avril, il te faut une feuille, un stylo et des crayons de couleur. C'est parti! On va dessiner notre poisson d'avril ici au milieu. On va commencer par faire un grand ovale bien allongé et l'arrière un tout petit peu plus fin, comme ça. Ensuite, on va faire ici un arrondi, voilà, pour la tête et puis le corps. On va faire un grand rond ici pour l'œil. Voilà, avec une grande pupille. Et à l'intérieur, tu peux faire des petits ronds blancs pour les reflets dans la pupille. Comme ça. Et ensuite, tu peux faire un grand sourire. Un sourcil. Et on va faire maintenant les nageoires. Alors, la nageoire... Tout en haut, on va faire un arrondi et ça revient comme ça. La nageoire de derrière, elle va faire comme ça. Super. Et maintenant, on va faire les nageoires juste en bas. Une comme ça et une comme ça. Ok, et la dernière petite nageoire, ici, on va faire les écailles, c'est plein d'arrondis comme ça, voilà, on va faire encore d'autres, ouais, et on continue, jusqu'à l'arrière, comme ça, super. Et maintenant, sur les nageoires, on a... des petits traits comme ça, aussi à l'arrière, plein de petits traits sur les nageoires, tac, un petit peu, et sur celle-là aussi. Et voilà, on a notre poisson d'avril. Et maintenant, il nous reste plus qu'à le colorier. Voilà notre poisson d'avril. J'ai utilisé de l'orange avec des nuances, du rouge et tout ça. Toi, tu peux aussi le faire de toutes les couleurs que tu veux. N'oublie pas de le coller derrière le dos de tes copains ou de tes parents, de ta maîtresse. C'est à toi de jouer. Alors moi, je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao.